ciel consolateur. Esprit de vérité, psaume 118, strophe 6. Le Christ ressuscité, alléluia, donne la paix à son peuple, alléluia. Donne la paix à son peuple.
mon salut selon ta promesse. Psaume 3. Nombreux ceux qui se lèvent contre moi. Nombreux ceux qui disent de mon âme. Point de salut pour elle en son Dieu. Mais toi, Seigneur, bouclier qui m'entoure, ma gloire, tu me redresses la tête. Je m'éveille, le Seigneur est mon soutien. Je ne crains pas ces gens parmi eux, poussés de toutes parts contre moi. Lève-toi, Seigneur, sauve-moi, mon Dieu. Tu frappes à la joue mes adversaires. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur est la chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire. Cité de Dieu, je monte à Babylone, parmi ceux qui me connaissent, tire la Philistie ou l'Éthiopie, un tel y est né,
grâce. Le Très-Haut, le Seigneur, il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né, et les princes parmi les cœurs, pour son en toi le demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Cantique de Jérémie 31, page 313. Écoutez, nations, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui disperse Israël le rassemblera et le gardera comme un berger son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob, l'a élevé de la main de plus fort. Ils viendront et auront de joie au mont de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Vers le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, vers les brebis et les bœufs les plus tendres. Ils auront l'âme comme un jardin bien irrigué, pour eux désormais plus de longueur. Et la jeune fille prend plaisir à la danse, jeunes et vieux sont dans la joie. Je veux changer leur affliction en allégresse, les consoler, les réjouir après leur peine. Je rassasirai mes traîtres de mes choisis, et mon peuple se gorgera de mes biens. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Du Père Alfred d'Elbe, Veni Sancte Spiritus. Viens et envoie du ciel un rayon de ta lumière. La lumière, mot qui évoque une des espérances les plus tenaces de la vie humaine. Nous nous retrouvons toujours opaques, nuit, ténèbres, car dans sa nature profonde et dans sa vocation éternelle, notre esprit garde, même aux heures les plus sombres, une idée de la plénitude et de la grandeur auxquelles nous sommes prédestinés et que nous désirons au fond de nous-mêmes. Dans l'idée de Dieu, l'homme est un être de lumière, tout de clarté, et c'est ainsi qu'il a été créé. Les ténèbres sont notre œuvre, mais l'idée et la destination première de Dieu sont demeurées. Aussi, demandons-nous dans cette invocation que la lumière de Dieu triomphe de l'opacité de la créature et des ténèbres de la faute, qu'elle écarte de nos yeux les rêves trompeurs et la crainte paralysante, qu'elle nous rende un regard clair. L'homme humble et généreux sait demander la force de l'esprit qui vient augmenter l'acuité de sa vision jusqu'à la rendre sensible à cette plénitude divine qui l'a touchée. Ainsi, par la lumière de l'esprit, pouvons-nous reconnaître Dieu même dans les heures les plus sombres et les plus ténébreuses de notre vie.
la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés de la même manière que le Christ nous verra danser le lever du tombeau. En lui tous revivrons. Dieu sera tout en tous. Alléluia, alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem des discussions assez graves, Pierre se leva et dit aux apôtres et aux anciens : Frères, vous savez bien comment Dieu a manifesté son choix parmi vous dès les premiers temps. C'est par moi que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît le cœur des hommes, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit-Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Alors pourquoi mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur les épaules des disciples un joug que vos pères et nous-mêmes n'avons pas été capables de porter ? Oui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus, nous le croyons, que nous avons été sauvés de la même manière qu'eux. Toute l'assemblée garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul rapporter tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis par eux chez les païens. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole. Frères, écoutez-moi, Simon Pierre vous a rapporté comment, dès le début, Dieu a voulu prendre chez les nations païennes un peuple qui serait marqué de son nom. C'est ce que confirment les paroles des prophètes, puisqu'il est écrit : Après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. Je reconstruirai ce qui était en ruine, je le relèverai. Alors le reste des hommes cherchera le Seigneur, ainsi que les nations païennes, sur lesquelles mon nom a été prononcé. Voilà ce que dit le Seigneur. Il réalise ainsi ses projets qui sont connus depuis toujours. Je suis donc d'avis de ne pas surcharger ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils doivent s'abstenir des souillures de l'idolâtrie, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. En effet, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisqu'on en fait la lecture chaque sabbat dans les synagogues. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Dieu ne fait aucune différence entre les hommes. Aucune distinction, aucune séparation. Entre nous et eux, dit Pierre, c'est-à-dire entre le peuple saint, le peuple élu, mis à part, et le reste des nations. La foi, la pratique d'Israël, la fidélité d'Israël reposait sur cette distinction. Israël se sanctifiait parce qu'il était saint, séparé. Il était fidèle à une loi, parce qu'il avait été choisi et mis à part pour recevoir cette loi. C'est sa distinction, sa responsabilité qui le faisait tenir, revenir, croire incessamment en la promesse. Et voilà que tout à coup, l'évidence s'écroule. Et cela n'a pas dû être facile à entendre pour Pierre, pour Paul, pour Jacques, et ils sont là réunis, les trois chefs de l'Église naissante. Pas facile à accueillir,
à reconnaître, à proclamer. Tous sont admis au même héritage, à la même promesse. Et de fait, l'Esprit Saint, lézard de cette promesse, est tombé sur le centurion Corneille en présence de Pierre. Dieu leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. Ce n'est plus la loi qui purifie, ce n'est plus la pratique qui sanctifie. Dieu purifie les cœurs par la foi. Dieu purifie nos cœurs par la foi. Et cette extraordinaire nouvelle qui a ébranlé la première Église peut provoquer un semblable bouleversement dans nos vies. Le Christ s'est relevé le matin, le premier jour de la semaine. Il était mort pour nos péchés et il s'est relevé d'entre les morts. Il nous ouvre l'accès auprès du Père. Il nous rend la communion avec le Père, et cette communion, c'est l'Esprit, déversé en nos cœurs, qui les lave, les renouvelle, les sanctifie. Tout est renversé, tout est gratuité, tout est grâce. C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés. L'Esprit est donné et c'est lui qui nous sauve. Quelle miséricorde! Il a fallu toute la foi et l'amour du peuple d'Israël, son long cheminement de fidélité et d'obéissance, sa patiente approche de Dieu et de son mystère de miséricorde, pour que dans ces trois-là, rassemblés à Jérusalem, puisse être recueillie l'incroyable nouveauté qui peut aujourd'hui renouveler notre vie en Dieu. Dieu nous regarde comme son propre Fils, qui que nous soyons. Le plus perdu, le plus éloigné, le plus découragé, le plus misérable. Dieu ne fait pas de distinction entre les hommes. À tous, il donne sa grâce en son Fils Jésus. Si nous croyons cela, si nous nous remettons entièrement, sans retenue, sans orgueil, entre ses mains, si nous lui remettons notre cœur tel qu'il est, il peut y répandre son Esprit Saint. Et cet esprit est communion avec lui. Voilà notre salut, et Dieu nous l'accorde. Alors c'est le monde qui est transformé. Si nous nous regardons les uns les autres dans cette vérité, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes, c'est la foi qui purifie les cœurs. Si nous laissons cette vérité transformer notre regard sur les autres, chacun devient ce précieux auprès de Dieu, cet unique, ce Fils, cet aimé. Tout autre devient destiné à la joie de l'Évangile, dépositaire déjà de l'immense possibilité de sa grâce, objet de l'amour d'une Église dont le cœur nous apparaîtra aussi large que les dimensions du monde, aussi ouvert que le cœur de Dieu. Thank you.
souviens-toi. Qui les accueille, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi de ceux et celles qui travaillent dans l'accompagnement des personnes handicapées. Seigneur, souviens-toi. Âgés et malades, Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint, saint et mortel. Alléluia. Avec l'Église en prière, ouverte à la nouveauté de l'Esprit, Père, en ton Fils, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Regina Celi, de ta vere.
les eaux.